Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Attends, remets la vidéo de l'enfant, il va bien voir. Attends d'abord, attends. Même s'il a rampé devant le roi 12-12, même s'il a pleuré devant tout le monde, mais est-ce que tu sais combien de millions que le père d'Aloua a pu se faire à travers ce scénario de 2 minutes? Point d'interrogation. Non, non, je ne te parle pas de 1 million ou bien de 4 millions que le roi 12-12 lui a remis, non. Ça c'est trop petit. Pourquoi? Tu sais, avant quand moi je ne comprenais rien des réseaux sociaux, je me disais à chaque fois, mais pourquoi d'autres personnes n'ont pas honte comme ça? Oh la honte. Il me disait aussi ceci. Oh Seigneur, la dignité d'un homme. Mais après, quand j'ai compris les réseaux sociaux, quand j'ai fini par comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant dans cette vidéo, il me suis dit, ya, les gens qui font les trucs bêtes bêtes, et puis moi je pensais qu'ils sont bêtes là. Ya ces gens là, c'est nous-mêmes qui ils prennent pour bêtes. Comment? Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le secret que le père d'Aloua a pu utiliser pour se faire des dizaines de millions. Mais là, ce n'est pas encore fini. Vrai que le père s'est passé, mais l'argent du père d'Aloua, les millions du père d'Aloua continuent d'entrer. Et ce n'est pas le seul qui se fabrique ou bien qui se crée le buzz aussi. En gros, je vais vous expliquer comment les gens utilisent le buzz, comment les gens fabriquent le buzz pour se faire des millions sur les réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, donc soyez vraiment concentrés, soyez très attentifs pour bien comprendre. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que c'est la première fois de voir mon visage, mon nom qui est plus connu, mon nom qui est plus connu sur les réseaux sociaux, c'est @. Voilà, le nom de mes plateformes, le nom de mes comptes TikTok, Facebook, YouTube et autres, voilà, c'est @du_trottoir. Et si tu veux bien comprendre les réseaux sociaux, vaut mieux t'abonner ici dès maintenant. Bon, le père d'Aloua a rampé devant le roi 12-12 et il a eu 4 millions avec lui. Mais est-ce que vous savez que l'objectif même du père d'Aloua en faisant cette vidéo, ramper devant le roi 12-12, n'était pas d'avoir les 4 millions avec le roi 12-12? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'après cette vidéo, le roi 12-12 pouvait seulement lui donner 2 millions, 1 million, ou bien 500 000, 100 000 même, 50 000, 10 000 même. Parce que ce n'était pas un contrat qu'ils avaient signé avant que le père d'Aloua ne réalise cette vidéo. Mais l'objectif même du père d'Aloua était de faire le buzz. Et pourquoi faire le buzz? Parce que, voilà, pour que ça soit bien clair, pour que ça soit bien expliqué, je vais vous expliquer ça à travers un exemple. Imaginez que dans votre quartier, vous avez une boutique. Bon, quand je parle de boutique, les boutiques ordinaires où on paye les chewing-gums, les pains, les cafés, voilà, les boutiques ordinaires, boutiques de Diallo là. Imaginez que vous avez une boutique dans ce quartier, voilà, et que dans ce même quartier, en face de votre boutique ou à côté de votre boutique, il y a une cérémonie. Bon, ici, quand je parle de cérémonie, je vais parler de cérémonie de mariage, baptême, funérailles, bon, que ce soit funérailles ou pas, bon, c'est pas ça qui nous importe. Voilà. Mais l'essentiel est qu'il y a une cérémonie dans le quartier, soit en face de la boutique, bien à côté de la boutique, non loin de la boutique. Maintenant, le jour de la cérémonie, vous allez voir que non, il y a des nouvelles personnes qui vont venir dans les quartiers. Il y a des nouvelles personnes qui vont quitter d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres villages, peut-être même d'autres pays pour venir à la cérémonie. Que ce soit un funérail ou bien un mariage. Voilà, c'est que s'il y a des nouvelles personnes qui vont venir. Et vous voyez, quand ces nouvelles personnes vont venir, comme la cérémonie c'est à côté ou bien en face de votre boutique, forcément, il y a les gens qui vont venir acheter de l'eau glacée, des chewing-gums, des petits trucs. Et quand ils vont rentrer pour acheter, ils vont visiter votre boutique. C'est des personnes qui n'étaient jamais arrivées dans votre quartier, mais c'est à cause de la cérémonie qu'ils sont arrivés dans le quartier. Là, on est d'accord. Voilà. Donc, quand vous voyez ces gens-là, ils vont venir, d'autres vont venir demander après certaines choses qu'ils ne vont pas trouver. Mais ils vont en profiter en même temps, voir ce que vous vendez dans votre boutique.
monter, descendre ce jour-là, vous allez avoir des nouveaux clients. Ça ne va pas être les anciens clients du quartier qui viennent acheter seulement. Il y a de nouveaux clients qui vont s'ajouter. Parmi ces nouveaux clients, vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Et forcément, après cette cérémonie, quand ces personnes vont répartir dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, vous allez voir qu'un jour, il y a certaines personnes qui vont se rappeler que non, ils ont vu que vous vendez telle chose. Même si c'est ceux-là qui n'ont pas eu l'argent pour acheter, ils vont se rappeler que non, le jour de la cérémonie, ils ont vu que non, telle boutique vendait telle chose. Donc, ils peuvent se déplacer de leur quartier pour venir acheter. Ils peuvent se déplacer de leur village. Ils peuvent même passer une commande pour que vous leur expédiez ce que vous vendez dans votre boutique. Ils ont besoin de ça. Donc, vous voyez. Donc, dans tous les cas, il y a eu la cérémonie à côté de votre boutique, en face de votre boutique. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues vérifier et vous avez eu de la clientèle, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Voilà. Donc, maintenant, on revient maintenant dans notre cas de buzz où le père d'Aloha a fait la vidéo pour créer le buzz. Donc, vous voyez ici, dans notre cas du père d'Aloha, la cérémonie ici là, la cérémonie où il y a eu les gens qui sont venus visiter là, c'est comme la vidéo qu'il a filmée, la vidéo de 3 minutes qu'il a filmée. Et quand il a filmé la vidéo, il a mis ça sur les réseaux sociaux, ça a fait le buzz. Et il y a les gens qui sont venus visiter, il y a les gens qui sont venus voir s'affairer. Alors nous les affairés là, on est venus voir ce qui s'est passé, comment le père d'Aloha a fait. Il y a eu des nouvelles personnes, aussi ses anciens abonnés qui ne regardaient jamais ces vidéos, qui sont levés pour nous voir le nouveau buzz. C'est comme les gens qui habitaient dans les quartiers qui ne viennent jamais acheter à la boutique. Mais comme il y a la cérémonie dans les quartiers en face de ta boutique et ils sont venus à la cérémonie, ils sont venus acheter des trucs. Donc vous voyez des anciens abonnés, des nouvelles personnes qui ne connaissaient même pas le père d'Aloha, mais de partage en partage, il y a eu des nouvelles connaissances. Vous voyez. Donc ici, le père d'Aloha est le boutiquier ici. Et la cérémonie ici, c'est le buzz qu'il a créé. Le buzz a envoyé des nouvelles personnes. Mais s'il dit que le père d'Aloha est le boutiquier, peut-être que vous allez me demander, mais s'il est boutiquier, c'est quelle est sa marchandise? Quelle est la chose qu'il vend? La première marchandise du père d'Aloha, c'est son image. Parce qu'avec ce buzz, il a pu augmenter la valeur, le prix de son image. Vous avez vu que non, après son buzz, il a commencé à figurer dans les vidéos de comédie. Le père d'Aloha. La voiture là. Le roi, oui. Bien sûr. Voici la voiture là. Bon. Ton téléphone est joli, hein. Eh, Pancho, y'a quoi? Non, en fait, ces pubs sont devenus beaucoup. Oh! Il a qu'à laisser au tacos pour aller payer voiture. Et Dieu m'engage pour ça! Tout ce que vous dites là, moi je prends comme fromage, voilà le soleil qui vient. Et la tendue, ils sont déjà tués. Ouais, le père d'Aloha te soutient. Il a commencé à avoir beaucoup de pubs. Et il a passé sur presque tous les plateaux de télévision qui font vraiment le buzz en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est de l'argent. Si son image pour une pub coûtait peut-être 100 000 francs, ça va s'augmenter. Forcément, ça va doubler. Ça peut même tripler. Donc, vous voyez tout ça, c'est de l'argent que le père d'Aloha a fait rentrer. Maintenant, la deuxième marchandise du père d'Aloha, la deuxième marchandise, la marchandise principale même là, c'est que lui-même, il a eu à dire sur le plateau de PPLK que vous allez regarder. Ceux qui me connaissent, quand il dit que de travailler, ceux qui me connaissent, moi, à partir de 5 heures, moi, je sors pour aller acheter mes tri, je vends les sacs, les ceintures. Si, si. Tout le monde entier, il sait ça, il publie, au pire, il vend. Je ne compte pas sur quelqu'un. D'accord. Je ne suis pas comme les stars qui restent à la maison, le bois dort, moi, 5 minutes. Demande tous mes postes, il n'y a pas ça, moi, avec eux. Ils travaillent. Tu as des bons. Je n'ai pas honte de chercher l'argent. Voilà. Je sors, les Aoussa, quand ils cassent les balles, tout ce qui est marque, on me donne, je m'ai acheté au moins 200 000, 300 000, je publie. Il y a mon petit magasin au Maraoué. Mais pourquoi tu ne mets pas ça en avant? Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. D'accord. Voilà, il a dit que non, lui, il vend les friperies, les brocs, les sacs. C'est sa page Facebook. Mais du moment où il a fait le buzz, où les gens sont venus, forcément, le nombre de ses abonnés vont augmenter. Et forcément, il va en profiter pour avoir plus de la clientèle à travers cette vidéo. Donc, du coup, son chiffre d'affaires peut doubler ou voire même tripler à travers son commerce qu'il faisait sur sa page. Là, je vais détailler encore plus. Où ils sont en train de faire la vidéo, je suis actuellement à Lomé, au Togo, à Lomé, où ils sont en train de faire la vidéo là. Le jour que le père d'Aloha a fait son pèse, je me promenais sur Facebook et je suis tombé sur la vidéo. Il était en train de regarder et en même temps, il y avait deux amis qui sont togolais, qui sont pas ivoiriens, qui sont togolais, qui sont à côté. Et il leur a montré la vidéo. Et ils ont vu, ils ont aussi cherché dans leur téléphone, ils ont vu le père d'Aloha, ils ont regardé d'autres de ses vidéos. Il leur a expliqué qui était le père d'Aloha. Et en même temps, ces deux amis-là qui sont togolais, ils sont abonnés directement au père d'Aloha. Donc, si un jour le père d'Aloha publie ses articles qu'il vend, mes amis-là auront un jour la possibilité de commander. Étant au Togo ici, commander les articles du père d'Aloha, il va faire venir. Donc là, je vais vous demander, c'est à travers quoi que mes deux amis ont connu le père d'Aloha? À travers la vidéo qu'il a fait en rampant devant le roi Douzouz. Donc ce n'est pas seulement qu'au Togo ici, dans le monde entier, forcément son chiffre d'affaires va gonfler. Donc ça fait sa deuxième chose qu'il vend dans sa boutique. La troisième marchandise du père d'Aloha maintenant,
Vous voyez sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook ou bien YouTube, quand tu monétises ta page, quand il y a le buzz, quand il y a les vues, les interactions qu'on a, Facebook te paye pour ça. Et du coup, tous ces vues qu'il va accumuler et autres là, c'est l'argent. Et ce n'est pas ça seulement, il y a beaucoup de tuyaux qui peuvent s'ouvrir à travers ce buzz. Regardez cette vidéo. Vous avez vu le VDA, ils ont profité pour faire un son, ils ont mangé un peu dans le buzz. Mais vous voyez que non, à la fin, les 300, les gars sont revenus faire vidéo avec le père d'Aloa. Le père d'Aloa peut avoir quelque chose dans ça. Hey, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, il n'y a pas valable dans le pays là. Voilà VDA. Voilà VDA, Coco Kofi dit d'Aloa est Bon, pour ceux qui n'ont toujours pas encore bien compris de quoi je vais parler jusqu'à présent, je vais vous lire un passage de Robert Greene dans ses lois du pouvoir. Robert Greene dit: associez votre nom à la sensation et au scandale. Distinguez-vous en vous créant une image inoubliable, voix controversée. Faites scandale. Démarquez-vous, brillez plus que ceux qui vous entourent. Ne vous souciez pas de la qualité de l'attention que vous suscitez. C'est la notoriété, quelle qu'elle soit, qui vous donnera le pouvoir. Vaut mieux être calomnié qu'ignoré. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Maintenant, vous voyez les effets du buzz. Mais d'autres personnes ont dit que non, il a sali l'image du pays, que sa femme puis ses enfants auront honte, que qu'est-ce qu'ils vont devenir après ça, que sa femme puis ses enfants, que les gens diront quoi de trop de blablabla. Attendez, je vais vous poser une question. Les gens qui commettent des crimes ou bien qui volent et puis on les attrape dans les quartiers, on les frappe jusqu'à après on les envoie à la maca pour l'enfermer là. Ces gens-là, je crois bien qu'ils ont aussi des enfants et une femme à la maison. Mais après ça là, qu'est-ce que les gens disent d'eux qui les tuent ou bien qu'est-ce que les gens ont pu dire d'eux qui n'ont pas permis à ces enfants ou bien ces femmes-là de vivre après? Rien. Vous voyez, il y a une seule phrase qui nous empêche de débuter dans une nouvelle aventure, mais de commencer une nouvelle chose, une chose que les gens ne font pas. Et quand c'est ta première fois de vouloir te lancer, il y a une seule phrase qui toujours t'empêche de te lancer. Et cette phrase-là, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Les gens-là, c'est qui? Qui sont ces gens? Est-ce que ces gens, c'est à la fin du mois-là? Quand tu payes ton loyer, ils viennent t'aider à payer ton loyer? Est-ce qu'ils viennent cotiser, contribuer à payer ton loyer? Est-ce que ces gens-là, le jour tu vas mourir là, vrai que ce sont ces gens-là qui vont t'enterrer? Mais est-ce que ces gens-là, le jour ils vont venir t'enterrer là, une personne va accepter se faire enterrer avec toi parce que tu as fait des choses qui leur plaisaient au moment où tu vivais? Non. Même si tu as fait des choses qui leur plaisent ou pas, le jour qu'ils vont venir t'enterrer là, ils vont jamais accepter de t'accompagner. Bon, bref, vrai qu'il y a tous ces avantages là sur les réseaux sociaux, mais faites très attention. Voilà, le père d'Aloa a pu transformer ses buzz en business, en des sources de revenus parce que il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux dans ce type de vidéos, dans ce genre de vidéos. Voilà, je prends un exemple. Si c'était comme Kérosène ou bien Che Guevara, un des deux comme ça qui avait fait une vidéo comme ça, ça allait mal tourner parce que ce n'est pas adapté à leur domaine. Le père d'Aloa, il a commencé à mourir ce cuir, c'est dans ça qu'on a connu. Et vous voyez que c'est un peu d'une manière truc. Donc vous voyez ici que le buzz que le père d'Aloa a fait là, c'est toujours dans le même sens que ces mêmes vidéos qu'il faisait avant. Voilà, il n'y a pas trop de différence comme ça. Donc quand on veut fabriquer un buzz, quand on veut faire un buzz sur les réseaux sociaux, il faut que le buzz soit vraiment adapté à ton domaine. Il ne faut pas cliquer dans ton domaine pour aller faire un autre buzz qui est vraiment écarté de ton domaine. Ça va, au lieu de te donner quelque chose, après te rabaisser. Voilà, et là même les gens ne vont pas parler de ça, les gens vont ignorer. Bon, c'est vraiment impossible de penser tout dit dans cette vidéo. Voilà, vous pouvez me suivre en vous abonnant si vous voulez vraiment comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Voilà, peut-être qu'à travers mes vidéos aussi, vous pouvez bien comprendre et vous lancer dans les business sur les réseaux sociaux. Hein. Pourquoi pas? Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo à vos frères, vos parents, vos amis. Peut-être que ça peut intéresser quelqu'un, ça peut inspirer quelqu'un à se lancer aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, toi, tu es en train de regarder là. S'il y a au moins un mot ou bien une phrase qui t'a plu dedans, il faut liker la vidéo à cause de ce mot ou bien cette phrase-là. C'était @. Africain, africain, si c'est la première fois que vous découvrez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification